c'est que ça, c'est Balalaïka. C'est la musique de Tetris, vous savez, le jeu avec les petites barres qui descendent, vous attendez la grande barre, machin, tout ça, voilà. Mais... on peut pas d'ailleurs imaginer ces jeux vidéo sans cette musique. On a l'impression qu'il y a un enfant avec un doigt, quand oui. même. Oui, ah bah oui, alors, et c'est tout le sujet de ma chronique. Quel beau lancement, chef, merci, je vous embrasse, gros bisous. C'est parce que avant, la musique, ça ressemblait à ça, de jeux vidéo. C'était des petites compositions faites avec un tout petit truc. Ça c'est assez artisanal, quoi. En 8 bits, voilà, c'est parce que la technologie permettait pas ça. Alors que maintenant, des compositeurs, comme des musiques de films, vont enregistrer des orchestres à Abero dans des grands studios. Oh. Et oui, sur les pour jeux, des jeux Final... vidéo. Oui, pour les jeux vidéo. Comme Final Fantasy, par exemple. Vous avez ici Final Fantasy, il est sorti en CD et il y a un compositeur japonais dont on va parler juste après parce que cette chronique est diablement bien faite qui enregistre en studio, mais c'est des vraies musiques de films, c'est incroyable, avec des thèmes, des chœurs, des trucs comme ça, c'est incroyable. Et pourquoi je vous en parle? Parce que aura lieu au Grand Rex à Paris le 8 novembre, c'est-à-dire dans pas très longtemps, le Video Game Live. Qu'est-ce que c'est le Video Game Live? Eh bien, ce sont les musiques de jeux vidéo qui sont jouées par un orchestre et un chœur en public. Et alors, vous allez dire, c'est complètement ridicule. Mais non, c'est un truc de dingue, ça draine un public fan de jeux vidéo. Vous imaginez, les jeux vidéo, c'est quand même un gros marché. Et qui ont toutes ces musiques. Parce que quand vous jouez à un jeu vidéo, vous y jouez quoi je sais pas, 5-6 heures, au bout d'un moment, la musique... 5-6 heures? Non, mais je... D'affilée? Non, enfin oui, ça dépend. Vous jouez pas trop, je sens que vous jouez pas trop aux jeux moins vidéo. Moins gros, ça c'est sûr. Ah, moi, j'y joue pas. Moi, je me suis arrêté à Tetris et à Pac-Man. Il y aura Pac-Man, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y aura Pac-Man? Je vous laisse cette petite surprise. Je veux vous montrer, et pas vous faire montrer, parce que c'est pas français, à quoi ça va ressembler le Video Game Show. Regardez. Oui, ah oui, vous avez dit. 60 musiciens pour un jeu vidéo, quand même. Ah ben oui, non, mais c'est un truc colossal. Ouais. Un des grands compositeurs de musique de film d'absurde, de musique de jeux vidéo, s'appelle Nobuo Uematsu. Il est japonais. Il a composé, entre autres, Final Fantasy, qui est un jeu où il y a eu des séquelles, des suites, etc. Mm. La musique est tellement connue qu'elle est sortie en CD et elle est jouée. C'est lui, là. Et c'est lui, absolument. C'est il nous raconte, justement, comment il a enregistré la musique de Final Fantasy à Abbey Road, vous savez, dans le studio mythique en Angleterre. Donc regardez, il explique. Le studio des Beatles. Studio des Beatles, entre autres. Regardez Nobuo. Game 機だったんですね。ですから音楽なんかも、あの電子音、ピーとかブーとかいう電子音を3つだけで音楽を作らなきゃならなかったんですよ。でそれがだんだんこうゲーム機の進化に伴ってその電子音3音しか使えなかったのがサンプリング音源8つ使えるようになったり。Mais il y en a qui se spécialisent là-dedans, ou alors ils font ça un peu en marge, temps que d'autres choses. Quand vous avez 170 musiciens, c'est pas en marge, hein. c'est un vrai boulot complet. Ah non, c'est super sérieux. Mais vous devriez, vous... Mais non. Vous croyez pas, c'est bien dire. Alors voilà, vous l'avez fait ou jamais? Non, pas encore, c'est en train. Pas un mot à la reine mère. Hop. Moi j'ai un petit cadeau, vous savez quoi? Le générique de Pac-Man, vous connaissez? Oui. Le générique de Pac-Man, c'est tellement connu, c'est tellement connu qu'en Corée, eh ben justement, il y a un orchestre qui l'a repris, c'est devenu un hymne quasiment national. Regardez, c'est bluffant. Alors, je pars en tournée avec eux. En Amérique du Sud, parce qu'on va le faire un peu carioca aussi, un peu. Voilà, bah, c'est pas vrai, mais ça me fait plaisir. Ça aurait été bien. Hein. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien monté. C'est bien fait. J'aurais voulu tellement vous réconcilier, mais j'y arrive pas. Comment ça? Avec votre coiffeur. Oh comment c'est cruel. Mais quoi, qu'est-ce... Ah oui, je viens de le voir, oui. Mais c'est parce que je suis arrivé un peu juste à l'heure. Vous étiez à l'arrière sur la mobilette. Parce que là... ça, il n'y avait jamais pas mon casque. Merci beaucoup. On enchaîne.